Cette semaine, nous allons retravailler encore sur le futur du verbe aller et des verbes en ER, donc les verbes du premier groupe. Je te propose un exercice pour le verbe aller, donc il faut conjuguer dans ces six phrases le verbe aller au futur. Ce qui nous donne au niveau de la correction, il ira au stade, nous irons en cours de français. Ils iront avec un T, attention à ne pas confondre avec la terminaison de nous. Chez grand-mère, tu iras à S rejoindre Pierre, vous irez EZ acheter une robe, et enfin j'irai pleurer dans un coin, ce qui n'est pas très drôle. Le même type d'exercice avec cette fois-ci les verbes à l'infinitif qui sont entre parenthèses. À toi de les conjuguer au futur. Donc on n'oublie pas, quand on conjugue les verbes au futur, les verbes du premier groupe, ce sont les verbes à l'infinitif plus la terminaison. J'en dis pas plus, c'est à toi. Pour la correction, effectivement, les vacances, on peut le remplacer par L au pluriel, donc passeront ONT, plus vite que l'année scolaire. Je rangerai. Donc le verbe ranger l'infinitif plus AI, parce que qui est-ce qui rangerait? C'est je. Nous étudierons ONS, elles prépareront ONT. Tu retourneras à S. Les écoliers, on peut le remplacer par il au pluriel, donc termineront ONT. On montera, tu porteras, vous regarderez. Et enfin, le directeur convoquera. Ah, parce que le directeur, on peut le remplacer par le pronom personnel il au singulier.